Salut à tous. On a vu qu'on pouvait raconter des histoires parce que notre gamme majeure, do ré mi fa sol la si do, comportait deux petits aliens, grâce auxquels on va créer des déséquilibres. La musique, c'est des déséquilibres qui se rattrapent au dernier moment, qui nous donnent le vertige et tout d'un coup, on atterrit sur ses pattes et qu'est-ce que ça fait du bien. Un compositeur, c'est quelqu'un qui se balade entre ses lignes de force, qui entend une note qui en appelle une autre, qui a envie de résoudre ou pas, qui a un chagrin d'amour et qui n'a pas forcément envie de résoudre, ou qui a simplement envie de s'endormir comme il faut. Jean-Sébastien Bach, de son temps, il n'y avait pas la radio, scoop. Tous les soirs, avant de s'endormir, il fallait qu'un de ses gamins lui joue de la musique. Ça tombe bien, il en avait fait 11. Enfin, 11 qui avaient survécu, parce qu'il en avait eu 20 en vérité. Mais les 11, il les avait formés pour qu'ils soient des musiciens. Donc tous les soirs, à tour de rôle, il fallait qu'il y en ait un qui joue du clavecin pour que papa s'endorme. Un soir, c'est Carl-Philippe Emmanuel qui joue. C'est un peu la corvée, hein, on est d'accord? Et le voilà. Son père ronflait au bout du troisième accord. Il dit, mais c'est trop cool, ce soir il s'endort vite, il se lève et il s'en va. Mais qu'est-ce qu'il a fait le malheureux? Il est resté sur un accord suspendu. Il est resté sur un accord avec que des notes instables. Regardez le fameux si et le fa ici. C'est-à-dire que c'est cet accord, il en appelle furieusement un autre. On ne peut pas le laisser comme ça. Et en plus, la base de cet accord, c'est le si qui est la note sensible, la note la plus instable de la gamme. Ça va réveiller Jean-Sébastien Bach. Il va aller sur son clavecin. Il va jouer. Il va conclure. Et il va retourner se coucher. Il n'aurait jamais pu s'endormir s'il n'avait pas fait ça. C'est ça, la force de la cadence. Toute l'histoire de la musique occidentale va être ponctué de ses cadences. Le premier qui va mettre la cadence en l'air, c'est un certain Richard Wagner. Richard Wagner, il est autodidacte. Donc déjà, il a un rapport un peu plus libre avec la musique. On est dans le prélude de Tristan et Isolde. Et voilà ce qu'il dit Richard Wagner. Vous avez vu cet accord? Mais ça, c'est un pur accord de jazz. Que des tensions! Là, on voudrait que ça se résolve sur cet accord-là. Voilà ce qu'il va faire. Et là, il va continuer. Il continue dans la tension, mais jusqu'où va-t-il aller? Et là, au lieu de conclure, il va faire Prélude de Tristan et Isolde. Et pourquoi est-ce qu'il ne conclut pas ses accords? Parce qu'il n'arrive pas à conclure avec une femme dont il est amoureux fou. C'est juste la femme de son sponsor. Et grâce à cette histoire d'amour raté, il va dire, eh ben, puisque c'est comme ça, Tristan et Isolde ne concluront pas eux non plus. Et voilà pourquoi il a fait ces accords incroyables qui vont mettre d'une certaine manière fin à la tonalité, puisque comme il fait jamais ça, par la faute d'un amour frustré, Richard Wagner va inventer la musique de film avant que le film existe. Ce que ça fait faire l'amour.